En reconnaissance aux risques encourus au bénéfice de la nation gabonaise, le projet de la nouvelle constitution accorde aux auteurs du coup de libération du 30 août 2023 une amnistie à vie. L'article 170 de la nouvelle constitution prévoit que les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne seront ni poursuivis ni condamnés. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet pour rendre formelle cette réforme. Rappelons que dès son annonce par Muriel Minkwemintsa, le ministre de la Réforme des Institutions, cet article a suscité de nombreuses réactions majoritairement favorables de la part du peuple gabonais. C'est dans cette optique que les Gabonais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur ce projet de constitution lors du référendum prévu pour le 16 novembre prochain. Ce référendum à venir viendra donc protéger ces hommes de la transition considérés par les Gabonais comme les héros de la République gabonaise.